Vas-y. Vas-y. Zenica, Zenica. Zende, Zenica, Zenica. Zenica. Et demain, acquise-moi beaucoup. Je ne voyage pas. Je suis venu au travail. Oui. Ce n'est pas de mon photo. C'est là, ça que vous voyez avec moi, là. Pour moi, là, c'est petit. J'ai plus de Dieu, mais il ne faut pas les yeux, va me suivre. C'est nous au quartier là-bas. Quartier Pelicain, là. Je n'ai jamais vu voler comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Non, les gars. Je n'ai jamais vu ça. Non, j'ai pris Dieu. Faut pas que ça va arriver chez vous là-bas. J'ai dit, pour moi, ça là, c'est petit. Les autres même là, à cause de lui voler là, ça veut dire que nous, on loue une maison là, on dort seulement dedans. Quand tu s'en vas au travail, tu prends ton bagage, tu vas avec au travail. Mais lui là, ça que lui fait là, ça que lui est en train de nous faire là, c'est-à-dire qu'il y a d'autres même là, et quand il va au travail là, il prend un camion de déménagement là, il met les bagages dedans, il s'en va au travail. Les soirs, il revient avec les bagages, il met à la maison. Matin encore, même chose, il va au travail. Donc c'est comme ça, nous, pour le moment, regarde, c'est mon bagage qui est là comme ça. Je viens le soir, il est parti à la maison, il est déposé là-bas. J'ai dit, tellement il vole. On n'a jamais vu voler comme ça là. J'ai dit, un jour, il n'y a pas longtemps qu'un jour, il est rentré dans une maison de mon voisin. Qu'il est rentré dedans là-bas là. Il fait vite, les gars, calmez-vous, il fait vite, il a laissé mon bras en paix là-bas, faut pas il va voler encore. Et là, quand il est rentré dans la maison, il a pris maison de mon, il est rentré dans la cuisine et tout le monde, c'était à midi. Est-ce qu'on peut voler à midi? Quand il est rentré dans la maison du monsieur, dans la cuisine, il a trouvé une bouteille de gaz là. Petit bouteille là, c'est qu'on appelle quoi tout là. Il a soulevé ça, un comme ça. Petit là. Quand il est venu. Oh, attends. Regarde, quand il est soulevé ça. Il est soulevé ça. Donc, en partant là, faut voir. Voilà son partement là, comme ça. Il va comme ça, doucement comme ça. Il soulève. Donc, c'est en soulevant son pied là. Ça a coulissé 6 pieds de la femme de la maison. Donc, la femme là aussi, elle est en train de dormir, elle fait cesse. Donc, c'est dans son cesse là que ça a coulissé. Donc, la femme là demande. La femme elle dit, aïe, qui met tous là, mais dans le sommeil, qui met tous là? Voilà, lui, voler là, il fait ça. Elle dit, ah, c'est poulet, elle fait ça. Dans le sommeil, elle fait ça. Chou! Donc, dans ça, il va sortir là. À quoi il va sortir là? Il faut qu'il place deuxième pied là, non? Quand il a fait son deuxième pied là, comme ça, ça a coulissé encore 6 pieds de femme là. La femme a dit, ah, c'est qui encore? Il dit, c'est le même poulet là. Donc, voilà la femme là. Elle dit, ah, yeah. Donc, je dis que si c'est un poulet là, on va faire ton pépé soupe aujourd'hui. Quel poulet qui parle? On va faire ton. Donc, je dis, quand femme là, quand elle doit là, son corps là, c'est dans la chambre, c'est le pied qui est au dehors. Quand elle s'est soulevée comme ça, on dirait armoire, comme ça. Je dis, faut voir femme là comme ça. Je dis, elle a attrapé commandant Pépin, elle a attrapé, elle est tachouée sur lui comme ça. Et puis, il est en bas là. Elle appelle son mari, Alibero! Ah, j'ai attrapé vos volets là un peu encore. À chaque fois, c'est elle qui attrape volet de maison là. Donc, Alibero, c'est là, il dit, j'arrive, je me lave. Voilà, volet là. Faut laisser, commandant Pépin, faut laisser tranquille. Il fait ça. C'est quel bon côté, il a lavé là-bas. C'est quel bon côté. Il faut sortir de la douce. Et tu vas venir voir ce qu'il a attrapé, non? Oh! Là, si c'est moi ici, là, il y a mon mot dans ton main. Donc, il est t'assoit comme ça. Après, il fait ça. Regarde, allez bien, sa femme fait ça. Allez bien, il faut appeler la police rapidement. Il dit, ah, j'arrive, j'ai la porte de chaussure. C'est quelle bonne chaussure tu as portée même? Ton chaussure qui est couvert, j'ai laissé mon chaussure vers climatiser la porte à partir pour appeler la police. Je dis, façon, ils l'ont travaillé dans la maison. Moi, j'ai écrit que Pépin ne vole plus encore. Voilà, dans ça, là, Pépin, il s'en va dans l'ensemble des étudiants. Les étudiants, ils sont 15, dans l'ensemble. Ils ne sont pas moyens, beaucoup. Ils sont quels? C'est dans vos quartiers.
Ils sont 15. Pien, ils sont 15. Si ça tenait, il faut louer Villa. Donc, ils sont 15 comme ça, dedans. Donc, dans 15 là, tellement ils sont coincés, là. Quand d'autres dorment là, il y a bouche de un qui rentre dans son bouche. Et puis, ils dorment. Dans ça là, ils ont fait association, non, ensemble, pour payer un sac de riz. Sac de riz là même là, les 15 là, quand ils font cotisation, sac de riz là, ça fait 13 000. Toi, que ton argent arrive premier, les 13 000 là, les deux autres que leur argent ne vient pas là, c'est eux, ils vont payer papa tous les jours. Donc, ils font tout. Dans ça là, pépin, ils vont voler sac de riz des gens là. Et ils jouent encore, voilà lui. Ils sont coupés courant, dans le noir là, il est rentré, malgré qu'ils sont en train de dormir, dans le salaire là. Je ne sais pas comment Pépin a fait même. Il y a trois lettres et six sacs de riz là. Il a attrapé un comme ça, mis dans son main, attrapé l'autre là, reculé devant un peu, comme ça. Il a soulevé le sac là, il l'a palacé. Au moment qu'il va donner d'eau là, la lumière est allumée. Voilà, et tous, les 15 là, ils se sont réveillés. Imagine-toi, 15 yeux sur toi. Il dit, façon l'a travaillé, non? On n'a jamais frappé l'homme comme ça. Dans ça, là, façon l'a frappé, nous, on a cru que c'est fini. Voilà, il n'y a pas plus tard que longtemps encore. Il y a mon parent. Et il m'a appelé au village. Ils sont au village, là, il m'a appelé. Il dit, ah, Abou Karo, bon, on veut jouer un match de Maracana là-haut. Mais comme toi, tu es le boss en ville là-bas, est-ce que tu ne peux pas trouver un stade de 22 000 places pour nous? Il dit, ah. Donc, j'étais en train de penser avec mon tête. J'ai vu Pépin. Il dit, Pépin, tu ne connais pas quelqu'un qui peut faire un stade de 22 000 places? Il dit, oh, ça là, c'est rien. Donc, dans ça là, Pépin, il est parti. Vers les soirs comme ça, on voit stade. On ne sait pas où il allait sur le stade là. Comme ça. Vous ne voulez pas qu'il parle encore? Vous ne voulez pas qu'il parle? Vous ne voulez pas qu'il parle, non? Vous ne voulez pas qu'il parle? Voilà, voilà, voilà Pépin. Il est parti soulever stade. Imagine-toi, il a mis sa citricite. 22 000 places, et puis il roule. Donc, actuellement, là, ils sont en train de jouer un match au village là-bas. Si je ne vais pas vite, parlez-moi mon place, là, ils vont voler ça. Bon, les gars, merci beaucoup, je vais vous laisser. Et ça va, match.